un micro. Désolée, on entend la
champignons en boîte, sauce tomate ricotta de chez Lidl, histoire de faire un plat qui donne des forces. Là, de la salade tout simplement, c'est de la romaine, du pain, une crémeuse à la pistache, vous en avez parlé, et là j'ai une demi-banane, et j'ai oublié de préparer mon chocolat calendrier de l'Avent. Par contre là j'ai préparé mon Madison calendrier de l'Avent que je vais boire après, c'est citron gingembre aujourd'hui. Donc bonsoir à tous, ce soir je mange pétra vintu plus salade. Ici on a comment ça s'appelle, une soupe maison, poireaux, courge, mais je me rappelle plus laquelle c'était, j'avais congelé donc impossible de déterminer. Oignon, carotte, pomme de terre, lentilles blondes, comme d'habitude, du pain, criss-cross, un peu de graissin, du fromage, des croutons, un gros morceau de pain bûcheron pour aller avec l'entrée, ça, un yaourt tofu, oui, c'est quoi déjà ça, pêche, un peu d'orange qui restait, du coup comme ça faisait pas beaucoup de fruits, j'ai rajouté des dattes, puisque j'adore ça. Je commence à me calmer et à plus vouloir en manger toute la journée. Bonjour à tous. Ce midi, je mange de la salade et de la betterave. J'ai une tranche de pain de mie parce qu'on n'avait plus du tout de pain et j'ai oublié d'en acheter pour aller avec. En plat, des pâtes soi-disant à la truffe de chez Aldi qui sont pas terribles. Donc j'ai rajouté de la sauce tomate ricotta de Lidl. Et en légumes, j'avais de la courge à cuire, donc j'ai cuit de la courge. Je vous avoue, je crois que c'est de la... Non, c'est pas de la courge butternut, je sais pas ce que c'est comme courge, c'était une espèce de grosse citrouille verte. Pour le dessert, deux clémentines, un Raphaël au calendrier de l'Avent, et la base c'est un yaourt de soja au chocolat. Donc voilà, j'essaye de prendre des forces, vu qu'après je vais me faire vacciner aujourd'hui pour la troisième dose. Donc bonsoir à tous. Ce soir, je mange des carottes râpées industrielles avec un mélange mâche-roquette. Et un pain aux olives Lidl. Là, c'est une soupe avec du poireau, des pommes de terre, des lentilles, de la courge. Mais attendez, je crois que je vous ai déjà présenté cette soupe, je sais plus. Ben, je sais plus. Ouais, peut-être. Oignon, carotte. Et le poireau était frais parce que je l'avais acheté il y a un moment et il est en train de dessécher complètement ma cuisine, donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Râpé, petit grillé, un riz au lait saveur vanille parce que j'avais envie, et plein de desserts avec les deux clémentines, vu que là clairement, vu comment ça s'est passé au boulot aujourd'hui, j'avais besoin de ça. Donc ça, je crois que c'est un cookie, ça je sais pas si on dirait les coffrettes Milka mais version Lidl, j'ai trouvé ça ce soir, et un Raffaello pour mon calendrier de voici. Donc, ce midi, un repas de pommes de terre,
Et là, j'ai rajouté après un petit grillé, des croûtons nature, parce que j'ai plus de fromage et je pense jamais en acheter dans les magasins où il y en a. Et attendez, attendez, du fromage râpé et un peu de pain. J'ai pris une pomme aussi au marché, ça faisait longtemps que j'en avais pas prise. Là, j'ai du riz au lait Carrefour, parce que c'est chez Carrefour que je l'avais acheté. Et j'ai quelques chocolats, parce que bon, bah, avec les fêtes, on en a toujours un peu. Donc, un Ferrero. C'est lequel, ceux-là? C'est les noirs. Un banane. Ce que je mange.